Algeciras, Cadix se trouve la plus productive des raffineries de Cepsa en Espagne. Une installation impressionnante d'1,5 million de mètres carrés. L'usine de fabrication et conditionnement de lubrifiants et d'huile se trouve au même endroit que l'entrepôt automatique autoportant construit par Mecalux, qui relie la zone de conditionnement des lubrifiants à celle des expéditions. Le tout dans le même espace qu'occupait l'installation de conditionnement et sans aucune interruption du cycle habituel de travail. Le nouvel entrepôt automatique a représenté l'un des plus importants investissements pour les lubrifiants de Cepsa. Mecalux a été le partenaire idéal, les résultats sont d'ailleurs excellents. Nous avons maintenant réuni les processus de fabrication, conditionnement et expédition en une seule installation. L'une des parties les plus complexes a été de devoir démolir 25% de l'installation existante, sans affecter la production. Le résultat est un entrepôt automatique autoportant, avec 7 transstockeurs et des rayonnages double profondeur sur 18 niveaux de charge. Avec plus de 4 500 m² et une capacité de stockage de près de 27 000 palettes, cet entrepôt permet un flux ininterrompu et sécuritaire de la marchandise, de l'entrée dans l'usine des bidons et récipients vides jusqu'à l'expédition des commandes aux clients. La construction du nouvel entrepôt automatique autoportant nous a procuré de nombreux avantages. Nous avons pu améliorer les processus de fabrication, faciliter et accélérer les expéditions et livraisons de commandes des clients et garantir la traçabilité de tous nos processus. L'entrée dans l'entrepôt des produits finis a lieu dans la zone de conditionnement. Les récipients sont introduits dans l'usine depuis une usine annexe par un système de convoyeur. Les formats des récipients les plus utilisés sont de 1, 4 et 5 litres, des bidons métalliques de 20 litres et des conteneurs pour 1000 litres. Les mélangeurs remplissent les récipients avec le type de lubrifiant correspondant. Ensuite, chaque récipient est dûment étiqueté pour assurer sa traçabilité. Suivant leur format, ils sont déposés dans des caisses ou directement sur des palettes pour leur stockage. Lorsqu'ils sont sur les convoyeurs, le poste d'identification vérifie l'état des palettes et assure qu'elles respectent les normes indiquées. De là, deux navettes se chargent de transporter les palettes situées au point d'entrée jusqu'à l'entrepôt. À ce stade, les transstockeurs les chargent et les stockent dans le meilleur emplacement disponible. Cet entrepôt présente en outre la caractéristique de gérer des matières premières et des palettes vides. Les entrées de ces produits se font par la zone des expéditions. Pour pouvoir gérer l'important volume de production de l'usine de lubrifiants de Cepsa, ce qui représente près de 170 000 tonnes par an, cet entrepôt est équipé de 7 transstockeurs à fourche télescopique, qui placent la marchandise dans des rayonnages double profondeur sur 18 niveaux de charge. Les transstockeurs de Mecalux se déplacent à une vitesse de 200 mètres par minute et peuvent effectuer 168 cycles combinés par heure, ce qui accélère les opérations de chargement et déchargement. Cet entrepôt est doté d'importantes mesures de sécurité. On y accède à travers 7 allées de travail, munies chacune d'une porte automatique coupe-feu. L'entrepôt dispose en outre de rideaux ignifugés stratégiquement situés.
Le logiciel de gestion d'entrepôt EasyWMS de Mécalux assigne à chaque palette le meilleur emplacement, assurant ainsi un contrôle parfait du stock et une capacité maximale de stockage. La zone de picking dispose également d'une navette pour gérer les flux élevés de marchandises. Bras pneumatiques permettent aux opérateurs de manipuler la charge sans effort, ce qui facilite les mouvements avec des charges lourdes et accélère tout le processus. Le logiciel de gestion d'entrepôt EasyWMS de Mécalux contrôle également ce processus et rend possible le picking inversé, accélérant les temps de préparation des commandes. Finalement, les commandes prêtes à être expédiées sont disposées dans les canaux de sortie, regroupées par itinéraire, véhicule, client, ordre de livraison ou n'importe quelle autre caractéristique, en attendant d'être chargées dans les camions stationnés au quai de chargement. Mécalux a été un bon partenaire qui nous a permis d'atteindre l'objectif de construire une installation polyvalente qui nous permet de gérer une grande quantité de produits différents. Nous travaillons avec plus de 1700 références uniquement pour les produits finis. Objectif que nous avons réalisé grâce à la collaboration de Mécalux. Le résultat de cette collaboration entre Mécalux et CEPSA est un excellent exemple d'intégration et d'automatisation qui a su combiner la réduction de l'impact environnemental et l'optimisation de la sécurité, l'efficacité et la rentabilité de tous les processus.